je vais reprendre Ouais. mon Far Cry. T'es bien, ça me fait plaisir de vous voir jouer. C'est cool. Merci, merci. Ah, pouc! Voilà, je remets le. Petit mon kiki. On reprend. Alors. Ah oui, il fallait que je reparte par là-bas. Mon véhicule était celui-là. Donc, hop, je recule. Je me rebarre par là. Et avec le contraste, j'ai du mal à voir Hooch. Ouais, je joue encore une bonne heure et puis mon avis relais à notre pandarou breton favori. Oh, c'est marrant que tu dises cascade puis une scène comme réponse parce que moi ça me fait penser à pas forcément un groupe. Attends, je l'ai cette planque, mais un titre techno cascade. Non, visiblement je l'avais. Y a pas de diamant. Non, il n'y a pas de diamant. La suite. La suite peut être musclée. Oh la vache, le camp au niveau de la rivière, comment qu'il est planqué. Je vais pouvoir mener l'assaut que par voie fluviale. Ah bah merde alors! Ça va être dur dur. Oh merde! Il me tire déjà dessus. Je crois qu'il y a un deuxième véhicule, non? Ou j'ai mal vu? Oh, bonsoir Edge, comment que ça va? Me fait allumer. Qui m'a allumé. Ah, lui. Ah merde, tu touches le rocher. C'est ballot. Ils sont où? J'ai entendu des mecs. Regarde, ils peuvent pas m'atteindre, il y a les flammes. Ah, je vois un mec là-bas. Merde, j'ai pété la vitre arrière du véhicule. Je te vois. Merde, il bouge. Ah, attends. Merde, dommage, le bidon n'a pas explosé. Mais j'ai bien dégommé le bidon d'explosif. L'animation semblait qu'il tirait dans le décor, pas sur moi. Vraiment étrange. Ah. Merde, je l'ai loupé, il a bougé. Il a dû voir que je le snipais, le gars. Je vois une trousse de soins là-bas. Hein. Où est-ce qu'il est passé le mec? Je crois qu'il n'y a plus personne au milieu des wagons. On m'allume pas donc. Je me fais pas allumer.
C'est bien, ça joue, ça joue. T'avais raison. Ça joue, joue, joue. Bah. Il m'a flambé le gars ou non, il ruse. Il fait une... Oh! Oh! Bah alors, que signifie? C'est quoi cette bouteille pas de lait, mais... Eh bien joué, Jay. Bravo. Oh mon dieu. Et voilà. La blague. Enfin, du coup, sur ce bug que je vous présente, la blague des développeurs. Comme quoi, il faut bien regarder les textures des jeux. Il y a des vannes, parfois. Et cette bière s'appelle la vieille moule. Je n'invente rien. La bière, la vieille moule. Voilà, merci, parce que là, c'était n'importe quoi au niveau de la physique du jeu. Il aurait fallu qu'il y ait un bug pour que je vous la présente, cette fameuse bière, dans le jeu. La bonne farce. Eh ben, elle est pas mal, celle-là. On vous aura tout fait. Mais il est mort dans l'incendie, les gars, vous c'est barré. Ah, les graphistes se font plaisir de temps à autre. Et évidemment, vous pensez bien que le jour où, quand j'avais découvert ça, j'étais mort de rire, moi, devant mon écran. Je m'en étais tenu les côtes, comme on dit, dans mon fou rire. J'avais trouvé la farce absolument géniale, car subtile. Ah oui, j'avais déjà... Ouais. Ah oui, il y avait une réserve de... Là, je pourrais m'amuser avec mon lance-flamme, mais il fout le feu, et puis boum. Rien que pour le spectacle. Enfin, si l'incendie veut bien prendre. Ouais, visiblement. Allez, un petit boum. Un petit boum... Spectacle. Voilà. Merci, tout a bien flambé. C'est quoi ça? Non, c'est une caisse quelconque. Donc la baraque, on peut pas y aller. Mais je suis surpris, le mec est mort. Ou il s'est barré. Je pense que le gars s'est fait la malle. Bon, c'est cool, je suis au taquet au niveau de la santé. J'ai pas trop gâché de munitions. Là, il n'y avait pas de... Non. Je vais aller à la suite. Je vais aller à la suite. Précieux véhicule. À lance-grenade. Donc, la suite. Alors, je continue sur la route, passer le pont au carrefour, je vais à droite. Ou pas. Ou pas, parce que non, attendez, il y a des trucs en bas, et je vais m'engager là où j'ai fait le ménage, en fait. Et c'est seulement après que je reviendrai ici, ou par la rive opposée, je vais les dégommer. Ce sera mieux. Oui, je prends la voie ferrée, allez. Tchou tchou, je suis le nouveau train. Tchou 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 tchou. Pa 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 la pa pa les pieds, pa pa la pa la. Oh! Mais non, mais il y a des obstacles sur la voie. Mais. Mais non, mais. Oh! Arbre à la noix, là. C'est un scandale. Je veux pouvoir circuler en toute liberté sur ces routes africaines. Ils sont très jolis, ma foi. Alors, où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Ah! Si je me faisais le camp opposé.
Si je me faisais le con, il arrive au poser. Au snipe, ce serait classe. Ou alors à explosif. Merde, je me suis déjà allumé. Bah, qui c'est qui m'a repéré? Ah, ils m'ont peut-être repéré depuis un navire. Ah, mais il y a du monde ici. Mais, oh! Je t'ai vu, arrête de courir. Chat perché, j'ai gagné. Non, mon véhicule. Non. Je veux pas sacrifier mon véhicule. Ah bah non, le feu a pas pris. Par contre, lui, il est en train de m'allumer, là, ça va pas. Faut que je me mette près de l'arbre. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je me suis merdé, j'ai merdé ma touche. Attends, mais qui c'est qui m'allume? Il est où, là? Rive opposée ou il est sur ma rive? Alors là, j'ai des gros doutes. Non, il est là, il est en face. Vu le tir, là. Ah, c'est lui. Adios, amigos. Ah, merde, il y en a un autre en face. Il y en a un qui fait le kéké sur un rocher, ou c'est moi? On entend les détonations. Oh, ça a ricoché sur le navire. Il est où le mec? Oh, véhicule en approche. Quoi? Ah. Merde, faut que je recharge. Il est en train de déboîter ma bagnole, l'autre. C'est pas pour dire le mec. Ça tourne mal mon truc. Alors lui je l'ai eu. Non, j'ai pas. Oh merde! Un Rambo le gars, je l'ai blessé mais je l'ai pas battu. Ah, il est chiant avec son erreur de chargement. Oh! Qu'est-ce que j'ai vu? Ne me dis pas que je suis revenu à la planque du tout début de ma partie à 19h. Je voyais la montre. Ah non, c'est le... J'ai rien dit, c'est la... La prout-prout. C'est l'armure grise. Ça fait loin quand même. C'est bizarre, cette histoire de sauvegarde aléatoire. Ça marche une fois sur deux. J'avais jamais connu jusqu'alors ce bug. Est-ce que c'est un bug propre à Windows 10 avec Far Cry 2, peut-être. C'est pas à exclure. Bizarre autant qu'étrange. Mais là, ça va, c'est pas trop... handicapant, on va dire. Donc là, il n'y avait rien. C'était plus loin. Ah merde, faut que je refasse l'assaut du côté là, moi. Ah si, c'est chiant. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre d'assaut d'ici. Allez, blanc, dans leurs dents. Allez, dans vos dents. Boum. Ah, ça saute bien. Merde. Ah, je pensais pas tirer sur l'arbuste. Bon, avec un peu de sens. Faut peut-être m'avancer un peu. Je sais pas. Où je les snipe. Oh, il doit y avoir du monde, là. Ouais, je les entends... Enfin, je les entends, mais je les vois pas. Ah, le vin. Magnifique. Superbe tir alors que le mec était en train de courir, je l'ai pas loupé. Il est resté dans ma ligne de mire. D'où il sort lui? Il va m'abattre ce truc. D'où il est sorti le mec? Alors là, il m'a bien eu. Ah, il faut que je reconsidère la scène de guerre. Mais que signifie... Eh, j'espère que pour 21h, je vais avoir mes 4 points de... Enfin, libérer les 4 prout-proutes, là, les 4 lieux. C'est mal barré, hein. Vu le bug et que je me fais guaquer. Je sens que le jeu est contre moi ce soir. Bah! Si ça peut vous faire des belles séquences clip et vous, des beaux souvenirs, ça ne me dérange pas de recommencer 4-5 fois, mais pas plus. Et que...
C'est vrai que ça me fait durer un peu de plaisir. Voilà, là les Mickey, je les vois bien. Bonjour messieurs, dames. Allez, bam. Oh! J'ai fait strike. Qui c'est qui? Vache, ils arrivent à m'allumer. Parce que par-dessus le buisson, va trop loin. Ouais, je suis un truc assez culotté. Et non, il y avait un loustique par là-bas. Je sais pas à quel moment il est venu, lui. Il a dû essayer de me contourner, ou alors il était dans la planche à côté là-bas. Ah, on s'en lasse pas hein, du lance-grenade de mes deux là. Qu'on l'a, c'est trop bien. Alors, re-sauvegarde en dur. Histoire qu'on progresse pour de bon, sinon je vais jamais m'en sortir. Merci. On y reprend dans la souris, allez hop. Ah bah, le mec était revenu derrière. Oh, bah d'accord. Ils m'ont buté. Bonsoir, Tomouf! T'arrives dans ma dernière heure de jeu, comment que ça va? Ah, sympa de passer faire un coucou. Attends, qui c'est qui m'a fusillé? Ah, il est en face, l'abruti que je fais. Mais oui! Bah oui, l'école est finie. Bah oui, tu m'étonnes qu'il m'allume là-bas. Pas mal, j'arrive à... Quand même, ils ont bien géré les collisions. Parce que j'arrive à tirer mon projectile entre les deux troncs de l'arbre. Qui est en Y, vous l'aurez vu, évidemment. Ça, quand même, ça fait réaliste. J'aime bien. J'ai vu un mec courir vers le silo. Bizarre. Je vais prendre ma lunette. Je vais monter sur le véhicule et je vais prendre ma lunette de snipe. Alors, inspection des lieux. Les aurais-je eu pour le U. Ça va? Ben, c'est bien. Ouais, nous, on va bien dans l'ensemble. Merci, Tomo. Tranquille ou peinard t'épouse. Ça y est, ils sont nourris. Alors, c'est reparti pour une rapide promenade. Oh, j'aime bien le véhicule qui a les quatre fers en l'air. Le gars a dû mourir du souffle de l'explosion, ou alors il s'est barré à grandes enjambées. C'est vrai qu'il n'y a pas la dépouille du gars. Je l'aurais pulvérisé? Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Ah, il est là. Il s'est planqué l'autre. C'est quoi ça? Attends, il y a un truc là-bas. Ah, c'est un véhicule! Ah! Je comprenais plus!
Je me disais, c'est quoi l'objet qui se distingue dans la végétation? C'était le feu arrière du véhicule. Ouais, bon, bah. Voilà, je vais continuer ma route. Il faut que pas chier ma route. Alors, pardon, re-sauvegarde en dur, qu'il ne la fasse pas à l'envers, ce serait apprécié. Ça y est, j'ai l'air de Maxime Le Forestier en tête. Ils m'ont déjà vu. Oh merde! Ils m'ont déjà repéré. Ah! Alors, on a quitté le navire. Ah, non, là, il n'y a personne. Ah, il y a un mec là-bas. Oh, en pleine tête. Eh, hey, je suis pas mal placé. Persuadé qu'il y avait quelqu'un sur la rive opposée. Je pensais qu'il y avait un sniper en face, mais le doute s'immisce dans mon esprit maintenant. Attends, je bouge un peu trop avec ma lunette, moi. Quoi? Qui que quoi? On m'a repéré. Ils ont trouvé ma position. Déguerpissons. À la guerre comme à la guerre. Qui c'est qui me... Oh, 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 oh. Il y a un gars derrière moi. Attends. Merde. Alors là, il y a deux gars. Parce que c'est pas le même flingue. Ou alors, il en a changé. Avec le soleil de face, en lunettes de snipe, ça va pas le faire. Si je me cramais les rétines, il n'y a pas mieux. Merde, il est où, lui? Ah merde, je l'ai pas vu. Oh, putain. Comme il dit. Très vulgaire, mais j'en pense pas moins. Ah merde alors! Comment ça se fait que je l'ai pas vu en plongée avec mon viseur, moi? Il s'était couché derrière les sacs de. J'allais dire les sacs de riz et les sacs de sable, Crotoum. C'est fou ça! Ah bah mince! Tout est à refaire! Mon assaut était si beau! Sniff! 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 Ah! Ce fichu arbre mort couché qui a une boîte de collision de nez deux là. Déjà? Il me canarde déjà. Mais c'est quoi? Ils sont pas en bagnole quand même. Oh. Tiens, d'ailleurs, vas-y, que je fasse mon vilain, qu'on rigole. Oh. J'ai touché un truc. Oh. J'ai fait un strike. J'ai fait un strike. Alors, hop là. Merde, le végétal va m'enquiquiner. Ouais, là, pour le coup, j'ai plus rien à snipe, parce que je vois pas le navire. Mauvais choix de position, de tir. Qui c'est qui dit va mourir? Voilà, là, j'ai retrouvé le snipe de la dernière fois, mais alors, où est-il? Mais c'est pas possible, le mec est à bord d'un navire. Aïe! Oh, oh, oh! Je l'ai eu? Je crois pas.
Ah, oh, il a tiré avant moi. Non. Ah merde. Allez, faut que je repense mon assaut différemment parce que là il me mate. Il me mate. La végétation est dense. Est-ce que j'aurais intérêt à foutre le feu? Peut-être. La technique du pyromane peut vraiment avoir un effet bénéfique. Il faut juste que le vent porte dans la bonne direction. Mais le gars qui vient de m'abattre à l'instant semblait venir de la voie opposée. Hop, j'esquive l'armement en demi-deux. Le Mickey venait de la voie opposée. Au niveau du panneau de direction, là. Ouais. Le gars semble venir du haut. C'est ça qui est fou. Si je prends le risque de me faire mon kiki sur mon véhicule. Non, je le vois pas. Non, de là je vois que puik. Donc, pardon, grosse regarde de là, parce que ça me ferait suer de refaire la route, hein, on a compris. Le paysage est beau, mais faut pas déconner quand même. Allez, go. Est-ce que le rocher... Tiens, c'est très culotté. Je sais pas, il n'y a pas de diamant ici? Non, il n'y en a plus. Est-ce que je peux avoir le culot? Non, c'est pas pour amener. Si? Non, je vais pas monter sur là, quand même. Non, on va trop me voir, c'est débile. C'est débile. Pour un mec qui veut se faire discret, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Si je vais par là... Oh, tu parles. J'ai pas de vue, là. J'ai rien. Ah, je vois un mec là-bas. Non, je l'ai pas eu. Je l'ai blessé, mais je l'ai pas abattu. Non, il me voit de là. Ah, il est bon. Et là, je peux me présenter à l'endroit, il m'allume pas. Il y avait que deux gars, peut-être. Il y avait que deux gars sur le quai. Vous êtes sérieux, les gens? Ah non, vous êtes pas sérieux. Ah, attends. Non, c'était... Attends, c'était où? Où est-ce que j'ai cru voir quelqu'un? Oui, c'était là-bas. Je l'ai eu. Je recharge. Ah, ma position est sympa. Ah, là j'aurais gagné proprement mon assaut. Ok. Merde, attends. Alors là, je cherche les ennuis. Et je crois qu'il y a un mec en bagnole aussi. Ah. Magnifique, il n'y a plus de bateau. Attends, ils essaient de faire quelque chose avec un véhicule là où je rêve. J'ai entendu... Oh, le jeu de lumière est magnifique. J'adore le soleil dans les lianes et tout. On s'y croirait. C'est... Oh, je gagate à chaque fois, mais j'adore ce genre d'effets spéciaux bien réalistes. Je devrais même avoir un phénomène de d'éblouissement dans ma lunette quand... Il faut évidemment jamais sniper face au soleil. C'est pas de la potion magique, mais ça fait dur pour où ça passe. Qu'est-ce que j'entends? Bon, bah j'aurais gagné. Ah non, j'ai pas déverrouillé en face. J'ai pas déverrouillé en face. Oh merde, y a un mec! Je l'ai eu. Là, je peux sauvegarder. Il s'est présenté au bon moment.
C'est cool. Je valide. Tu m'étonnes. J'ai le bon point. Youhou. Alors, bidon d'explosif ou pas bidon d'explosif, hein? On pourrait préparer un feu d'artifice. Est-ce que je pique une petite tête dans l'eau? Il n'y a pas de croco, il n'y a pas de piranha. Je crois qu'elle est fraîche. Oh. Ah! J'avais pas vu monsieur. Quand je lui ai peut-être tiré une balle entre les deux yeux. Loli loli loulou. Oh la petite biquette. Non, je ne tirerai pas. J'ai trop de respect pour les biquettes. Bébé. Elle est rigolote. Ça y est, il lui a fait peur. Elle se sent oppressée. Alors, il est où le point de revendication du Schmidbeek? Il doit pas être loin. Alors, soit c'est une caisse, sa pharmacie, je le rappelle, soit c'est un dépôt de munitions qui permet de revendiquer le... Enfin, de réquisitionner le poste de contrôle. Ça doit pas être loin, mais je sais pas où c'est. Tiens, ça c'est pour moi. C'est bon, ça, jerrycan pour remplir le réservoir du lance-flamme. Le lance-flamme de la muerte. Non, ça c'est pour le... mon mug du pistolet sur pied, là. Ah, ça peut me plaire. Ça me plaît. C'est une munition supplémentaire. La grande casse-bas. Y a rien dedans? Non, y a rien dedans. Bah merde alors! Il est où le point de revendication? Non, attends, pardon. Au niveau du mur, y a quoi? Y a un tonneau. Tiens. Bizarre. Attends, je dois être tout proche du... Ah! La v'là! C'est ça. Bingo! Eh, 55 des 57 postes! J'y suis presque! Je suis proche de revendiquer tous les points de contrôle. Alors derrière ça, croyez-moi que je vais être baba cool parce que ça va... Ça va me rendre toute l'Afrique confortable. Ah, la biquette qui est buggée. Ah bah, ça fait un beau portrait. Bravo. La biquette buggée à côté du poulet. Psychédélique. Jusqu'où je peux m'approcher sans leur faire peur? On va tester. J'ai toujours pas peur. Cette scène est débile. Cette scène est très débile. Bah alors? Et toi, t'as pas peur? Et là, une picore, tu sais. Ça va le poulet? Elle est belle la vie? Et encore, mais juste, non, c'est un vrai poulet. Hein, il y a un petit pelage marron foncé, et il a de la gueule, ce poulet. Bon, bref. Alors, le point à revendiquer au niveau du... J'y retourne en navire, j'abandonne mon super véhicule, alors que je me bousille honteusement une magnifique poterie artisanale en faisant du foot avec. C'est un scandale. Allez, quitte le quai! C'est parti, mon kiki! Alors, que dit la carte? Oh merde! Oh là là, j'ai de la route à faire! Oui, merci pour les clés! Merci tout plein! C'est apprécié! Ah! Diamant qui est sûrement au niveau de la côte. C'est pas l'île, on est d'accord. Ah, c'est peut-être l'île, attendez.
Attendez. Merde. Qui c'est qui a essayé de m'abattre? J'ai plus de navire. Oh merde, il est en face ce con. Mais attends, mais elles sont allées guider les... Salopards. Merde, je l'ai pas eu. Cours, vite. On va mourir. Ah, ça brûle. Il est où ce con? Merde, je l'ai perdu de vue. Appelez Jacques Pradil. Il est derrière le rocher, je crois. Salopard. T'es où, brigand? Sors de ta planque. Ah, t'es là. Oh, comment qu'il est mort? Oh oh, il y a le feu sur l'île. Et j'ai plus de navire. Qui c'est qui me snipe? Mais ils sont combien? C'est scandaleux. Ils m'ont abattu. Non. Eh ben dis donc, quel suspense. Wouah. Alors il y a un snipe et un mec au lance-roquette. Ils ont quelque chose à défendre. C'est louche. C'est louche, c'est louche. C'est loulou louche. On y retourne. C'était au niveau de l'île. Bah mince. Vite, je sors vite hors du bateau. J'ai dit vite. Ah. Parce que l'autre va niquer mon embarcation et ça va pas me plaire. Bon, il est où le gars? Bah merde, je le vois plus. Alors je sauvegarde pendant que je suis sur l'île. Hein. Au moins ça s'est fait. Mais je le vois plus le gars sur la rive opposée. Bah, il est où le Mickey? C'est déplacé peut-être, non? Oh, il y a un gars là-bas. Merde, je l'ai loupé. Merde, l'autre me tire dessus. Mais c'est pas possible, c'est radio-commandé, c'est... Attends, il est où? Ah, il est là. Oh, je le lis! Merde, dommage! J'avais tiré sur la roquette. Ah bah il est peut-être mort d'ailleurs du souffle de la roquette. Ah non. Oh le con, il s'est tiré dessus là par contre. Là par contre il a fauté, il a merdé le gars. Je pense que là il s'est suicidé. Merci de la livraison du second bateau. C'est apprécié. Alors ce diamant, où est-il? Peut-être ces diamants, il y en a peut-être plusieurs. Ah oui, je vois la mallette. Je l'ai dans le viseur. Oh. Ça compte pour 2 diamants. C'est beau. Ah, il y avait encore un autre bateau. Lors des bateaux. Alors. Hop, sauvegarde. Crack, boom, c'est fait. Eh ben prenons ce navire là, il s'offre à moi. Je vais pas me. Hein. Merde, je me fais allumer. Alors, pour dire que je suis mort. Oh, oh. Alors, ce scénario me plaît, finalement. Attendez. Si tous les mecs au lance-roquette se suicident désormais, je prends. Ça sert plus fort. Mon les guignols. Ah bah bravo, il a mis le feu à... Ah non, il est encore là, lui.
Ah non, le gars! Le gars est complètement barge. Tout va bien. D'ailleurs, des diamants par là, je crois. Merde! J'ai loupé. Oh. Allez, deux pour le prix d'un. Ah non, j'y ai cru. Oh, merdoum. Faut que je fasse gaffe, j'ai plus beaucoup de balles. Ouais, je suis à la moitié, il me reste 11. J'aimerais aller en face, mais je vais tomber dans l'eau. Ouais, non, c'était sûr que c'était un truc creusé. C'était évident. Il y a des diamants dans le coin ou... Oh! Ah, merci. Oh! Oh, j'ai eu chaud! Attends, mais il est où le fou? Ah, il est là-bas. Merde, j'ai merdé mon tir. Je voulais tirer sur la roquette, mais j'ai merdé. Ah, le tir est passé. D'où il tire, le gars? Je vois pas où il est. Il est où, le tireur? Oh, la roquette est défectueuse. Merde, de toute façon, j'ai un mec qui me tire au niveau du quai. Il est où, le gars? Oh, le bordel. Oh. Attends, il y en a un qui m'a allumé, mais je sais pas d'où. Oh, puis il y a le feu partout. C'est génial. C'est le chaos le plus absolu. Attendez, il y a un mec qui m'a allumé. Les bateaux qui fument. Je comprends pas tout à la scène de guerre, là. Je vous avoue que... Point d'interrogation au-dessus de ma tête. C'est quoi, ça? Non! Au beau milieu de la route, une mallette de diamants? Eh bien... Le panneau qui annonce un point de repos. Bah, cassé. Visiblement, j'ai gagné la bataille. Hein. Le mec, il est mort. Alors, est-ce qu'il est mort cramé? Ou alors... Ah, attendez. Il a peut-être pas des munitions infinies. Donc, le gars, il est peut-être en train de m'attendre avec un 9 mm, une arme de poing. Faut que je reste prudent. Mais il a tiré d'où, le gars? Mais non, on peut pas passer par là. Il est où, le mec qui a tiré au lance-roquette? Il n'y a pas d'autres diamants. Hein. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire, yo. Ah! Je me suis trompé de touche. J'ai perdu un cocktail Molotov. Ah non, il était là. Non, c'était ce mec. Ok, le gars s'est loupé, s'est suicidé. Bon. Oh, c'est beau, hey. C'est superbe. Ce tableau vivant. Ah, Poupon a lancé son direct. Je vais pas tarder à arrêter et lui faire relais de chaîne. Je reprends le navire et je fais la fête au gars du point de contrôle là au bord de l'eau. Il faudra peut-être que je répare un des navires parce que comme ils sont fumants. Ouch, je retourne dans la flotte. Mon navire de départ. Réparation. Un petit coup de clé à molette. C'est parti. Quoi? Comment ça? Il y a encore un autre diamant? Où ça? Il y a un diamant là-bas. Mais je suis un gros débile. Je me trompe de touche, moi. Oh, faut que j'arrête. Ah oui! C'est un avion crashé. Ah, c'est une cassette du chacal. Hier, j'ai vu un gosse au bord de la route. Il avait peut-être un 17-18 ans. Portait un fusil à pompe à l'épaule et il y avait un soldat de la PR mort dans la tranchée à côté de lui. Une
Une paire de bastos de calibre 12 lui avait littéralement arraché le buffet. Le gosse tirait sur la jambe du type pour lui piquer ses bottes. Il avait l'air cramé, il avait l'air abîmé, épuisé. Vieux. Un gosse de cet âge-là devrait pas avoir une tête pareille. Alors, je dois avoir un bug parce que c'est la troisième fois qu'on entend le même dialogue du chacal. Alors que je collectionne les cassettes, c'est pas de bol parce que les dialogues font partie de la narration. Oh merde! Oh merde! À force de faire des âneries, je me fais repérer, moi. Oui, c'est dommage, parce qu'il y a d'autres dialogues du chacal, et c'est dommage que vous les entendiez pas, parce que ça fait partie intégrante, pardon, j'en bave, de la narration. Bon, bah, prout-prout, quoi. Voilà ce que j'ai envie de répondre à ça. Tant pis. Pourtant, ça fait partie de la plus-value du jeu. Que beaucoup d'ailleurs ignorent. Il y en a beaucoup qui ont fait Far Cry 2 et qui ont totalement ignoré les cassettes du chacal. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, chacun joue comme il lui plaît. Ah oui, alors attends, j'allais oublier la cassette du chacal, c'est toujours un bonus. Oh, le sanglier! Non, c'est pas un sanglier, c'est un buffle. Ça fait gros quand même. J'ai vu un gosse au bord de la route, il avait peut-être 17-18 ans. Il y a des très gros sangliers. Il portait un fusil à pompe à l'épaule et il y avait un soldat de la PR mort dans la tranchée à côté de lui. Une paire de bastos de calibre 12 lui avait littéralement arraché le buffet. Le gosse tirait sur la jambe du type pour lui piquer ses bottes. Il avait l'air cramé, il avait l'air abîmé, épuisé. Vieux. Un gosse de cet âge-là devrait pas avoir une tête pareille. Alors attends, il y a des mecs qui viennent d'en face, faut que je me méfie sur la rivière. Voilà. Je suis pas trop mal. Je vais refaire une sauvegarde de qualité. Je vais prendre d'assaut l'avant-dernier poste et puis je ferai la poupon. Pour ceux qui veulent le suivre. Faut aller regarder. Puis moi c'est bien, je tarderai pas trop. Je vais essayer de faire 2-3 trucs avant de me coucher là en tâches ménagères et autres. Faut vraiment que j'ai du boulot pour demain. Si je tourne le plateau de Malzéville avec Taïonnet mardi, il va falloir que je bosse un max demain. Il y a encore du diamant. Mais d'où venaient les mecs? Là on dirait qu'il n'y a personne. S'il y a un gars là-bas. Ah, il y a deux gars là-bas. Ouais. Oh le con! Mais qu'il est con ce con! Il a fait sauter tout le quai. Incroyable mais vrai. Alors attends, il y a un snipe quelque part, mais... Ah, il est là. Non? Non. Ah si, si, si. Si, si, c'était bien le snipe. J'ai bien lu. J'ai eu un doute, je croyais que c'était une partie du tronc. Mais c'était bien le snipe. I am a professional. J'ai eu l'œil. J'ai eu l'œil. Ah, ça redevient calme à la musique. Et pourtant, il y avait encore un gars. Oh! Comment qu'il est tombé du quai? Il s'est noyé la tête en arrière. La mort horrible. Oh, il se relève! Ah! Le gars! Je sais pas si vous le voyez. Il a la tête juste hors de l'eau. Eh ben, bah, il y en a plus. Hein. Je lui ai fait exploser le crâne. Les joueurs de la guerre. Nierf, 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 c'est moi le plus fort. Oh! Il y a du diamant! Il est où le diamant? Il est au-dessus de moi? Ah! Le diamant est au-dessus de moi. Mon dieu. Alors je sais pas comment on fait pour atteindre la zone. Ceci est un mystère. Attends, je m'avance. Je vais forcément aller hacker. C'est très rocheux par ici, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Lance-flamme. Comment veux-tu que j'atteigne là? C'est pas possible. Ah, munitions.
Comment veux-tu que j'atteigne la zone? Oh, y a des diamants, mais pour les avoir, vas-y, toi. On est d'accord, tout le monde est monde. Et tout le monde est monde. Tout le monde est mort là-bas. Ouais, je pense que je vais pouvoir revendiquer l'endroit. Eh, hey, il y a l'air d'avoir du matos, hein. Oh, j'y vais à la nage. Zut. Pas envie de reprendre l'embarcation. Waouh, c'est noir, les eaux troubles, Burke. C'est dégueu, comme ils disent dans le 3. Ah. Merde, je peux pas monter à quai. Bah alors. Oh. Oh. C'est une honte. Un tel sportif comme lui devrait pouvoir... Voilà. Le point de revendication... est pas encore trouvé, mais ça ne saurait tarder. Attends. Le point de revendication... Qu'est-ce qu'on voit là, à la surface de l'eau? Oh merde, il y a du monde. Ah, livraison de bateau. C'est beau quand même. Je suis le meilleur. Regardez-moi ça. Pouk, arrivé à quai. Ça, c'est la classe. Ah, c'est l'eau au niveau de l'arbre mort. Ok. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Par contre, ce que je comprends pas, c'est l'endroit de revendication de ce poste. De l'autre côté, pour récupérer les mules. Les munitions. Il est où le point? Oh! Une chèvre encore. Qui semble buggée au niveau du buggy. La chèvre buggy. Comment ça va, madame la chèvre? À part ça, quoi de neuf? Pour l'époque, hein, c'est bien, ils avaient bien modélisé. J'aime bien, on peut admirer l'animation des oreilles. La tête, tout. C'est bien, c'est vraiment la queue, pareil, cohérent. Trop mignon. Bon boulot des concepteurs. Bébé, toi-même. Bébé. Ah! L'avant-dernier point de revendication était ici. Et ça, c'est réquisitionné. Oh, il y a du matos. Alors que les caisses bougent d'elles-mêmes. Rien ne va plus, il y a des esprits frappeurs. Oui, c'est vrai qu'au niveau pharmacie, il faut que je fasse gaffe. Il me manque 2 seringues de dopage. Eh ben, je sais pas quand. Je ferai le dernier point de réquisition. Et puis, bah, je partirai à l'aventure, cette fois-ci, du scénario. Je continuerai à faire l'autre moitié, là je suis à 42%, et on ira vers la fin du jeu. Donc, wouh, ça palpitant, moi ouais, je suis ravi. Bah, je vais peut-être finir Far Cry 2 à la fin de l'été, vers début septembre, avec un peu de chance, si je gère bien mon calendrier. Puis quand reviendra la mauvaise saison en octobre, je rebasculerai sur Dying Light. Ah, et ben merci à vous d'avoir regardé. Prenez soin de vous, bisous, merci pour tout, merci pour la modération. Fun en premier. Il y avait Torota en appui aussi. Bon, Aerostar, il a fait un coucou symbolique, mais je le comprends, il a raison. Merci pour les clips hein, qui sont appréciés. Par exemple, le dernier de Tomouf, si j'ai bien vu. Merci tout plein, prenez soin de vous. Moi, je vous dis rendez-vous dimanche prochain concernant ma tronche. Dimanche prochain. Voilà, vous pouvez voir ma tronche en plein écran. Alors, je vais faire... Bonne soirée tout le monde, bonne fin de week-end. Merci aussi d'avoir joué au tableau mystère. Voilà, c'est bien. Vous me faites mentir, j'avais été mauvaise langue en disant qu'il n'y a que Twinsen qui joue, mais c'est faux, c'est bien. Et puis pardon, hein, Christella, tu avais vu juste, tu avais une bonne réponse, c'est bien. Allez, raid à Monsieur Poupon. Je retiens jamais les numéros derrière les pseudos. C'est Poupon 29. Attendez, j'ai peur de me planter du coup. C'est 29, hein, oui, tu confirmes, Fun. Merci. Ouais.
Tac, 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 tac. Oui, il y avait les réponses de tableau mystère. Donc, je complète avec 29 et j'envoie le relais de chaîne. Merci, prenez soin de vous. Alors, si je dis pas de bêtises, mardi, FunFan, tu diffuses, mais pas demain. Bah, du coup, tu sauras que je pourrais pas faire ta modération mardi puisque je tourne le plateau de Malzéville avec Nayonet. Ça y est, j'ai regardé de travers. Christella, tu devrais diffuser demain aux environs de 16h30 à peu près. Après, qui c'est d'autre qui diffuse? N'hésitez pas à faire votre pub, hein, chez moi c'est autorisé. Je suis content que vous puissiez vous voir les uns les autres et que vous présentiez vos programmes. Voilà. Et je crois que vous n'avez pas d'autres diffuseurs. Encore merci Tomo, fin pour tout. Hein. Avec aussi les billets d'information dans le Discord. Alors, j'ai essayé de me mettre à jour, et c'est pas encore tip-top, moi-même me mettre à jour dans mon propre Discord, mais il faut que je continue à venir vous voir dans vos Discords à vous, en plus de vous envoyer des messages privés en correspondance. Vous savez que certains d'entre vous, j'ai plaisir à converser avec vous. Donc voilà, de temps en temps, une fois par jour, tac, je contacte un tel ou un tel, et puis je flâne un peu à droite à gauche quand même. Que dire d'autre? Rien, je crois que l'essentiel est dit. On a passé un bon week-end, merci. Espoir pour la semaine qui arrive, hein, au niveau promenade, ça va être bien. Voilà, donc mardi, la météo devrait être avec nous. On va faire du boisé, ça va être cool. Allez, je vais commencer à zapper sur Poupon. Bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Mister Poupon. Quoi? Bon, oui, je suis un Poupon. Tu fais un gentil raid. Merci beaucoup. Enfin, beaucoup, je ne sais pas. Je n'ai et là, il fait bonjour, madame. Le séant du sage. Des gros bisous. Merci Zoubi. Beaucoup. Zoubi le Poupinou. Bah, c'est pas des cons, c'est des raideurs. Bah oui, tu m'étonnes. Tout m'étonne. Merci les anonymes qui regardent sur YouTube et compagnie. À la prochaine, bisous. N'hésitez pas à m'écrire, hein, je vous répondrai avec plaisir si vous avez des remarques ou des commentaires. Vous pouvez aussi mettre des commentaires. Ciao, ciao. Merci pour à plus, les copains. C'est bon.